Salut à tous, c'est Monsieur Battlemind. Il n'y a pas longtemps, quelques personnes m'ont demandé de craquer le DLC de la bataille des Verlater du milieu 2, je vais le craquer, hein. On se retrouve pour craquer la bataille pour la Terre du milieu 2, l'avènement du roi sorcier, donc un DLC, comme je viens de le dire. Donc déjà, la première chose qu'il vous faut, c'est le jeu, le Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du milieu 2. Je mettrai un lien dans la description qui vous mènera une vidéo pour le craquer, qui est bien sûr de moi. Donc pour le craquer, il vous faut Demon's Tooth Lite, WinRAR et uTorrent, qui sont bien sûr gratuits, je mettrai le lien dans la description. Ensuite, il vous faut le jeu que l'on va télécharger sur Extreme Gaming, comme d'habitude. Quand vous serez sur la page d'Extreme Gaming, vous irez vers le milieu et vous verrez Download Torrent. Donc vous cliquerez et ça vous enverra le torrent. Donc ensuite vous recliquerez. Là vous ferez juste OK. Donc moi j'ai déjà téléchargé, je ne le retélécharge pas. Donc ensuite, ça vous affichera partage comme ceci. Vous n'aurez juste qu'à cliquer sur arrêter le torrent. Et ça vous affichera terminé. Ensuite, vous double-cliquez et vous aurez tout ça. Des archives WinRAR. Donc après, vous pouvez fermer le torrent. Donc vous prenez le tout premier. Non, d'abord, vous allez sur le bureau. Vous faites clic droit. Nouveau. Dossier. Donc vous l'appelez pour l'instant Seigneur. Des anneaux, voilà, juste comme ça, le temps, et ensuite faites clic droit. Vous retournez dans The Lord of the Ring, le Seigneur des Anneaux. Faites clic droit sur le premier, la première archive de WinRAR. Vous faites extraire vers extract file pour ceux qui savent écrire en anglais comme moi. Ensuite, vous verrez Seigneur des Anneaux. Vous ferez OK et l'extraction va commencer. Donc, on se retrouve à la fin. À tout de suite. Donc voilà, l'extraction est terminée. Donc ensuite, vous retournez dans le Seigneur des Anneaux, le dossier que vous avez créé. Vous aurez un fichier ISO, donc une image ISO. Donc vous double-cliquerez dessus. De toute façon, vous pouvez pas vous tromper. Il n'y a qu'un seul fichier, il n'y a qu'une chose dedans. Donc vous double-cliquez et Demon Tools va monter l'image. Donc voilà, veuillez patienter que le temps l'image soit montée. Vous faites exécuter. Là, ils vont souvent me demander si on veut ou pas. Donc vous faites oui. Voilà, donc là, ça va s'ouvrir. L'installation va s'ouvrir. Donc voilà, donc vous mettez la langue que vous voulez, ça c'est vous qui voyez, hein. Avant de continuer, veuillez fermer toutes les applications en cours. Voilà. Ok. Donc faites installer. Donc oui. Et voilà, donc là ils vont me demander une clé. Donc il y a deux clés. J'ai trouvé que deux clés. Mais les deux doivent sûrement marcher. Donc je les mettrai dans la description, ne vous en faites pas. Donc on va essayer CTRL-C, CTRL-V, ça va sûrement pas marcher. Donc voilà. Donc je vais l'écrire. Essayez de l'écrire rapidement. Ah non, j'ai fait une erreur, ça doit être le deuxième. Je vais prendre le deuxième parce que là j'ai oublié une lettre. Excusez-moi. Je vais essayer d'aller vite. L5 GP. GP KL5 L5 H RRLD. Voilà, donc suivant. Donc voilà, installation, non. Bah, là, c'est vous qui voyez, hein, mais je vous conseille installation typique, normale. Après, avancer, c'est vous qui voyez, hein. Peut-être plus tard, mais de toute façon, on va pas s'enregistrer comme l'on craque le jeu. Comme vous le savez, comme d'habitude, on s'inscrit jamais en ligne, hein. Donc voilà, donc on se retrouve à la fin de l'installation, hein, tout de suite. Donc voilà, là, ils disent que le parfait doit être activé, donc je mets je suis. Et là, vous faites juste quitter. Donc vous faites fin et puis voilà. Donc ça après, vous faites clic droit dessus. Pardon. Ouvrir avec WinRAR Archiver. Donc là WinRAR va l'ouvrir, hein, comme je viens de le dire. Donc là ça vous pouvez fermer, après ça va plus servir. Attendez, je regarde juste un truc. Oui. Ensuite vous irez dans Crack et voilà, et vous laisserez ça de côté. Ensuite, vous verrez ceci, voilà. Bon. Voilà, vous voyez, j'espère que vous voyez. C'est derrière, en fait, il y a. Je vais faire ça. Voilà, il y a l'avènement du roi sorcier. Donc, faites clic droit. Faites propriété. Ensuite, emplacement du fichier. Et voilà. Donc, ensuite, vous prenez ce qu'il y a dans le crack et vous le glissez dans ce qu'on vient d'aller voir. Déplacer, remplacer, continuer. Et voilà. Donc, normalement. Normalement, attendez, hein. Normalement, vous devriez jouer avec celui-là. Donc, on se retrouve tout de suite sur le jeu. Et si ça marche pas,
Vous verrez bien parce que je vais revenir dessus. Voilà, donc bah à tout de suite sur le jeu.